Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Armstrong, on joue ensemble à Bloodborne, c'est la 14e vidéo. Et dans la dernière, on avait découvert les bois interdits, donc on va y retourner. Donc entre... du coup, je vais vous expliquer. Je voulais aller farmer au village invisible pour trouver des fragments jumeaux pour développer mon épée et marteau. Et en fait, malencontreusement... Donc du coup j'ai farmé un petit peu, comme vous pouvez le voir, on va pouvoir reprendre 2-3 niveaux d'expérience. Malencontreusement j'ai tué un boss parce que je suis tombé dans le vide contre un boss et j'ai pas eu le choix que de le tuer, donc j'ai pris la micro vidéo que je vous mettrai après avant de commencer les bois interdits. Donc j'ai tué le boss Paarl Sombre Bête. Donc voilà, j'ai gagné un badge de chasseur étincelle je crois. Et une autre bricole. Donc voilà, bon c'est du coup c'est un boss qui aura tué en moins quand on devra faire le village invisible parce qu'à un moment donné il faudra le faire je crois. Donc voilà, pierre tombale de l'éveil, donc c'est ici. Donc j'ai farmé un petit peu du coup, donc j'ai 86087 écho de sang, donc on va prendre quelques niveaux, on va voir si on peut acheter des items et on va aller au bois interdit. Et entre temps vous aurez la vidéo du combat de boss que j'ai fait et je me suis aidé un petit peu d'un... J'utilise ce que propose le jeu, je me suis aidé d'un... Avec la cloche d'un chevalier mort. Enfin du fantôme d'un chevalier, je vais arriver. Alors qu'est-ce qu'on va prendre? C'est un point de force. Un point de vita, un point d'endurance. Ah, il nous manque pas grand chose pour avoir un niveau. Ben, on va aller. Écho de sang. Allez, on va prendre du. On va reprendre un peu de ce qu'on a gagné. Essayez-vous trouver votre valeur dans le monde éveillé. Donc là, voilà, moi c'est ce que je vous conseille à chaque fois. N'hésitez pas entre deux passages de jeu, farmer, farmer, farmer. De toute façon, il n'y a rien qui vous en empêche. Donc, il n'y a strictement rien qui vous en empêche, donc allez-y. Alors, on va reprendre un petit, comme ça j'achèterai 2-3 cocktails Molotov. Voilà. Bienvenue chez vous, que désirez-vous? Très bien, laissez-moi. Si on prenait encore un point d'endurance. Allez. Voilà, comme ça on a plus de combos. Pour lâcher un peu, peut-être un coup de plus. Ok, on part. Allez. On va acheter un ou deux cocktails. Ça peut servir. Voilà. Ok. Eh ben les amis, par contre, j'ai oublié de faire mon petit message habituel. Donc les amis, pour les nouveaux arrivés sur la chaîne, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner. Si la chaîne vous plaît, activez la cloche de notification. Pour cette vidéo, bah, le petit pouce d'encouragement, le petit message, le petit commentaire qui fait plaisir, je réponds à chaque fois. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. J'espère que tout va bien de votre côté. Les amis, portez-vous bien. Et je vous dis ben, très bonne vidéo et à très bientôt. Ok, donc eh ben, ce que je fais, c'est que... Alors, faut aller où? Peut-être là. Bois interdit, voilà. Donc, on se retrouve au bois interdit et entre, je vais mettre la petite vidéo de combat de boss comme je vous ai raconté tout à l'heure. Allez, on se retrouve dans les bois. Bonne vidéo de boss.
Très bien les amis, donc nous revoici au bois interdit. Voilà, les bois interdits, donc j'espère que la petite vidéo de boss vous a plu. Donc malheureusement, c'est un boss qui n'a pas été tué dans le bon ordre, on va dire. Parce que c'est vrai que j'ai découvert le village invisible et c'est vraiment une zone de farm très intéressante. Donc comme je vous ai dit, le jour où on ira, je n'ai rien ramassé là-bas. J'ai vraiment tout laissé comme c'était. Donc il y a des choses comme ça à ramasser partout, 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 partout. Donc il faudra faire le tour. Il y a peut-être des choses que j'aurais dû prendre. Qui m'auraient peut-être aidé pour là les stages à venir. Mais j'ai décidé de tout laisser sur place. Pour quand on fera ce fameux stage, ben vraiment avoir la surprise de découvrir ce qu'il y a là-bas. Et je pense qu'après la phase des zones des bois interdits, pardon, j'irai peut-être faire un nouveau rituel de calice. On va faire un petit donjon là pour essayer de gagner quelque chose d'intéressant. On ne sait jamais. Donc je vais voir. Alors soit vu qu'on avance bien dans le jeu, je pense que je le ferai en vidéo. Donc là. Je me rappelais plus qu'il y avait ça, mais toujours faire les recoins, hein. C'est toujours très intéressant dans ce jeu. Et on a gagné un fragment jumeau en plus. Donc oui, je pense que je... Parce que du coup, on est à la 14e vidéo et on avance super bien dans le jeu. Je pensais pas que ça avancerait aussi bien, donc... Oh purée! Oh, oh, je me rappelais plus de ça. J'ai failli me faire découper en lamelles. Donc oui, on avance bien dans le jeu, les amis. Donc, bon, on va essayer de faire le maximum quand même. Montrer le maximum du jeu, peut-être pas entièrement. Comme ça, vous montrez quand même. Si vous connaissez pas le jeu, comment faire pour quand même faire le jeu à peu près bien. Donc du coup, j'espère que mes vidéos vous servent. On ne sait jamais. Même si c'est pas, j'ai pas la prétention de dire que c'est un guide, hein, loin de là, parce que j'ai vraiment pas fait un format guide et j'en ai jamais fait. J'aimerais essayer avec Sekiro de faire un let's play qui se rapproche vraiment d'un guide, même si je pourrais pas dire que c'est un guide. Je sais pas comment je vais. Parce que Sekiro, c'est vraiment... J'y ai tellement joué que je pourrais vraiment vous expliquer pour avancer pas à pas dans ce jeu. Même si je suis pas un expert. Donc je sais pas, je verrai. Mais ça me prendrait beaucoup de temps. Ce que là je fais... Voilà. Ça prend pas de temps, mais c'est pas pareil. Parce que Sekiro, si je veux vraiment faire un truc super propre, faudrait que je fasse du sans faute, quoi. Donc ça va être compliqué. Je sais pas. Où je ferai un mi-let's play, mi-guide, vraiment en expliquant à 100% tout ce que je fais. Donc là, il y a un vilain qui nous envoie... Est-ce qu'on peut pas passer... Est-ce qu'on peut pas... faire ça? Si, on peut. D'accord, voilà. Donc j'ai voulu faire le guerrier là, mais du coup ça m'a pas réussi du tout. Ça ne m'a pas réussi, donc je saurai pour la suite. Je les ai tirés. En plus j'ai plein de cartouches, je les utilise jamais. J'ai 24 cartouches sur moi, même plus bien sûr si on les fait venir en s'injectant le truc. Et je les utilise pas, donc je fonce comme un abruti. Donc voilà les choses à ne pas faire les amis. Voilà, vous saurez par la suite. Donc les corbeaux, je les tue pas, c'est pas la peine. Donc là, je suis un petit peu énervé. Donc, autant dire qu'ils vont manger, chaud les cocos. Je récupère de la fiole. Après, on est quand même beaucoup plus fort. Donc là, je me suis fait avoir tout simplement, donc pas marcher sur les planches. Je me suis fait avoir tout simplement parce qu'ils étaient beaucoup. Là ils me sont tombés dessus, en plus je me suis fait cramer. Donc la totale quoi. Voilà. Voilà. Donc on récupère. Eh bah tiens, des fragments. Donc je ne sais pas si on peut pas passer par ici en fait. Et les avoir à revers. J'aurais peut-être bien dû faire ça. Et en plus. Voilà. Très intéressant. Donc voilà,
un conseil aussi, essayez de trouver d'autres chemins, des alternatives, contourner, les tuer quand même. Mais ah oui, c'est vrai que les galets, j'en ai tellement que fragments jumeaux, voilà, on va pouvoir améliorer nos armes à nouveau. Donc voilà, en fait on peut contourner tout simplement et je sais pas si j'ai pas fait une fois déjà. On peut les tuer mais en venant d'ailleurs. Donc là. Voilà. On les attire. Hop, 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 venez, venez, venez. Les chiens ils font mal, hein. Je te dis tout de suite. Allez, viens là, toi. Ils sont pas extrêmement forts, mais ils font très mal. Et lui, c'est lui qui a mes pesos. Mes pesos. Mais c'est mes pesos de sang, je vais y arriver. Alors. Voilà. Donc, ce qui s'appelle vengeance, les amis. Et on voit qu'ici, quand même, on rapporte pas mal des coups de sang. 611 par... Donc là, ça peut être une zone de farm sympathique aussi. Parce qu'en peu de temps, on a quand même plusieurs milliers de... Bon, ils sont un peu plus forts, hein. Mais bon, c'est pas non plus... ils sont pas invincibles. Donc, faire gaffe au feu. Voilà. Voilà. Et ben voilà. Donc là, on a une fiole. Là. Des balles d'argent, ça va. 10 balles, jarre d'huile. Alors, cet endroit là, est-ce qu'il faut pas passer en haut? Je ne sais plus. J'entends respirer fort. Je sais plus. Eh, super, fallait pas faire ça, à mon avis. J'aurais dû passer par en haut. J'aurais pas dû venir par là, à mon avis. Parce qu'on pouvait contourner. Restons concentrés. Par contre, l'environnement, je sais pas ce que vous en pensez, les amis. Mais il est juste énorme. C'est pas la première fois que je le dis pendant mes vidéos. Mais juste s'arrêter et regarder. Voilà. Comme c'est super bien. Ça me fait penser un peu à un film à la Peter Jackson. Pas la Peter Jackson. Ah, ça y est, j'ai des bêtises. Oh là, oh là, oh là, oh là, on s'en va. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Je vous ai embêté pendant l'apéritif. Ah non! Non! Oh là là. Vite, on remonte. Je sais pas ce qu'il y a. Ah non, mais c'est quoi ça? C'est pas Peter Jackson. Bon, ça me reviendra. Ça me reviendra, les amis. Oui, moi aussi je dois vivre. Mais c'est pas vrai, deux fois. Et en plus, j'ai récupéré les balles que j'ai utilisées. Par contre, faut que je récupère des fioles. Donc voilà, je suis tombé comme un abruti deux fois. Donc on sait maintenant qu'il ne faut pas aller là, donc je sais plus d'où je viens. Pour me repérer. Je viens d'où? Donc là il y a une caisse. Il n'y a rien à récupérer. Ok, on s'en va, c'est pas ici. Je viens d'où? J'aimerais juste me rendre compte, tout simplement. C'est pas ici. Là, je pense qu'on peut peut-être ouvrir. Non. Très bien, donc c'est pas ici non plus. En fait, depuis que je suis tombé dans le vide, je suis un peu désorienté. Est-ce que c'est ici? Eh oui. Donc on vient de là. Très bien.
on recommence. C'est juste pour me rendre compte. Me rendre compte, pardon. Donc, il y avait du monde là. Je suis tombé dans le trou là. Voilà. Très bien. Donc, on va aller voir de l'autre côté. Faire gaffe au feu. Donc là, ici, il y a quoi? Je casse tout, ça sert à rien, mais je casse tout quand même. Alors. Alors. Donc il y a ça à récupérer. Je pense qu'ici c'est un simple cul-de-sac en fait. Granulé de sang de monstre. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu ça. Alors. Oui, voilà, il y a ici, là. C'est bien ce qui me semblait. Donc là, on va dans l'eau. Là, il y a toute une cabane remplie de monstres. Et on se fait tirer dessus, en plus. Voilà, super. Ah, mais il y en a là aussi, d'accord. Bon. Eh ben, c'est compliqué, les amis. Hein. C'est quand même assez compliqué. Et du coup, faut tout recommencer. Ouais. Donc voilà. Un exemple d'un jeu From Software, pardon. Où on s'en prend plein la tête. Même si on est quand même. Notre personnage est quand même bien développé. On a un bon niveau, on a un équipement correct. Même si on n'a pas le meilleur des équipements. On voit qu'on se fait éclater en 2 secondes 30. Donc là. On va essayer d'y aller, on va essayer de contourner un peu de 2-3 trucs. Hein. On va pas tuer tout le monde, ça sert à rien. Hop, allez. Voilà. On part directement sur la droite. On va essayer de récupérer du coup ce qu'on nous a pris. Hein. Voilà. Hop. Piole de sang. Mais. Ouais, ça mange pas de pain. On peut récupérer quelques fioles. Voilà. Ah, il donne rien. Et rien du tout, quoi. Bon, bah tant pis. C'est une malédiction, ok. Alors, est-ce qu'on peut faire quelque chose là-haut? Que je n'ai pas fait. Oui, il y a quelque chose à récupérer. Voilà. Oh là. Jarre d'huile. Je pensais récupérer autre chose. Bon bah d'un sens c'est pas plus mal. Du coup on est mort, on est revenu. On peut voir ce qui se passe là. On prend un autre chemin. Hop. On récupère ça. Très important. Très important de tout ramasser. Voilà, c'est quand même pas rien. Et on va peut-être arriver par un autre endroit.
qui sera beaucoup, peut-être beaucoup. Des fois, c'est plus simple à appréhender. Donc, juste voir, me rendre compte d'où on est. Donc là, je pensais pas ici. Faut qu'on arrive à récupérer notre bien. Donc voilà. Lui dort. C'est comme ça. On s'en va. Voilà. Ben voilà. Allez, on récupère les amis. On a quand même 30 000. Hein. Des fioles, allez. Hop. Bon bah du coup le bois interdit, je sais pas si on va pas le faire en plusieurs bouts, hein, parce que... Je me pose la question. Pas tomber dans le trou, pas tomber dans le trou. Aïe 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 aïe. Surtout pas. Cette technique là, on balance un coup simple, on déploie l'arme et on la replie. Boum boum boum. Alors. Donc là on a fait le ménage du coup. Là on a fait le ménage. Là on n'est pas allé. Là on se fait tirer dessus. Il n'y a pas de d'autre passage. Donc il y en a avec sa hache, je sais pas où il est, il m'agace. J'entends la hache qui est traînée par terre, mais je sais pas où il est. Il est là. Non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Ce n'est pas lui. Crotte de bique. Super! Super! Insupportable! Insupportable! Insupportable ça! Voilà. Simplement, on va essayer. Bah, peut-être bien là. Le... Ça c'est bon ça. Ça c'est bon. On va ouvrir un raccourci. Voilà. Raccourci ouvert les amis. La petite cabane qu'on avait essayé avant. Ah, est-ce qu'on peut pas monter? Je sais plus. Non. Faire demi-tour. Ah mais non mais hé. C'est sympa les gars, mais si à chaque fois on se fait plomber soit par des fusils ou des cocktails Molotov, c'est pas cool quoi. Ok. Ouais. Par contre, c'est bien dommage. Parce que la partie là, je sais pas comment on y va. À mon avis, c'est après que je pourrais y accéder. Ah, ok, ok. Non, bon, laisse tomber. À mon avis, on y accède après. Allez. Je vais juste regarder le temps. Très bien, très bien. Donc bon, on va refaire un petit peu, mais pas trop longtemps, parce que du coup on va trop dépasser. Donc je vais essayer quand même d'avancer encore un petit peu.
sans se faire exploser. Possible. Alors, j'aurais peut-être pas dû aller là. Voilà, j'aurais peut-être pas dû aller là. Effectivement. J'ai vu quelque chose qui brillait là. Voilà, ici. Donc voilà, un passage sécurisé pour éviter les boulets de canon, ça peut être bien. Donc cet endroit est quand même... faut faire gaffe. Parce qu'il y a pas mal d'endroits où on peut se faire vite... Voilà. On peut se faire... se faire faire du mal. Alors. Le canon. Le canon, je pense que là il peut plus nous toucher. Oh là, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Non mais n'importe quoi, sans déconner. Bon, on se retrouve là-bas. Très bien les amis, on va essayer de récupérer notre bêtise. On récupère la connerie. En même temps on a farmé un peu hein, du coup. Donc lui, Mef. En fait je suis revenu deux fois déjà. Je suis revenu deux fois. Je me suis fait éclater deux fois. Voilà. Donc j'ai réussi à pas perdre mes échos de sang. Donc ça fait que j'ai 72 000, mais. Est-ce qu'on va trouver une lanterne pour retourner au rêve du chasseur? Haha, ça. Je ne sais plus. Je sais plus du tout. Donc il y a un passage à l'opposé, hein, faut pas qu'on oublie. Donc je ne sais pas si je devrais pas faire demi-tour. Avant de continuer. Parce que là je me souviens plus du tout. Là. Ah non, ça marche pas. Bon, s'il y a la zone là, c'est pas pour rien, à mon avis. Apparemment si c'est bizarre. C'est bizarre, c'est pas. C'est pas le genre de la maison de faire ça pour rien. Je sais pas. Peut-être pour l'échelle. Peut-être pour cette échelle. Ah ben voilà. Voilà, c'est mieux que la lumière quand même. Voici en haut. Oh, sapristi, une nuit pareille. Je vous ai pris pour un monstre. Oh, grâce au ciel, vous avez l'air... Oh, c'est chaud. Bon, puisque vous êtes un chasseur, vous connaîtriez pas un endroit sûr?
Alors j'y vais. Il était temps que je... Ah, vous m'avez redonné espoir. Prenez ça. Après, je l'envoie... Il a l'air un peu bizarre, le monsieur, quand même. T'es en train de manger des monstres ? Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Très bien. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire du tout. Là, ça mènera nulle part. Donc là, il faudrait pouvoir aller en bas. Ah, un canon. Nouvelle arme. C'est de là qu'on vient, ok. Ah, c'est vrai qu'on peut brûler aussi. Ok. Ennemis. Alors. Après, il y a peut-être un passage. On va prendre le pistolet. On va peut-être débloquer quelque chose. On va peut-être débloquer quelque chose. Alors. Donc il y a un endroit qu'on n'a pas visité, il faudra absolument qu'on y aille. Il faudra refaire marche arrière. Donc, on va aller dans l'autre sens, parce que si je me rappelle bien où j'étais là, c'est le... Mince. Il n'est pas en état de fonctionnement. Très bien. Ce qu'on va faire, on va arrêter là. Et on verra ce qui se passe. On essaiera de faire la suite dans la prochaine vidéo, les amis. Sinon, ça va faire beaucoup trop long. Et ben, je vous dis à très vite. Bye bye.